Bonjour les amis. C'est les dernières prévisions météorologiques pour Méritius concernant les fortes pluies et les prévisions de cyclones vers l'île Maurice et les Mascareignes. Donc avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas avoir à rechercher nos nouvelles vidéos. Merci. De fortes pluies sont probables à Méritius cette semaine, car des précipitations importantes se poursuivront aujourd'hui sur Maurice et la Réunion. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le grand nombre de développements locaux en cours dans notre région vont progressivement augmenter et provoquer des précipitations. Si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous obtiendrez également la mise à jour des activités cycloniques. Comme indiqué précédemment, il y a quelques chances d'apparition d'un cyclone tropical près de Maurice grâce au modèle GFS, mais il est trop tôt pour en informer car de nombreux changements sont probables dans ces modèles car nous surveillons de près toutes les conditions. Si la température de la mer, HST, reste élevée, il y a un risque élevé d'avoir une activité tropicale dans le sud de l'océan Indien. Parlons maintenant en détail de la météo à Maurice et des Mascareignes. Situation générale. 1. Aucune veille de forte pluie n'est en vigueur à Maurice. 2. Un vent léger, chaud et humide circule sur notre région. Prévision pour les prochaines 24 heures. Essentiellement beau ce matin. Des développements nuageux sont attendus cet après-midi à l'ouest, sud-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées. Ces averses seront parfois modérées et pourraient être accompagnées d'orages isolés. Ailleurs, le ciel sera mi-couvert. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral. Des averses localisées sont prévues en début de soirée. Le ciel s'éclaircira graduellement par la suite et le temps sera beau durant la nuit. La température minimale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières. Vent du secteur est à environ 15 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest atteignant les 2 mètres. Conseil pratique. En cas d'averse orageux, il est conseillé 1. De rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. 2. D'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite sous les averses et due au brouillard. Bulletin prévision, Rodriguez. Communiqué de la météo pour Rodriguez est mis à 4h30.